Bonsoir mes guerriers, comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. On va commencer au début, oui. On va commencer au début. Il y a certaines personnes peut-être qui ne comprennent pas forcément pourquoi la madre fait le clash avec le vieux chauve de Londres qui se trouve à Londres. Les gens ne comprennent pas, ils se disent, mais aïe, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, pourtant, on voyait ces deux personnes-là, chacun se titillait, chacun prenait la vidéo de l'autre pour coller sur sa page, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui s'est passé qu'aujourd'hui, la madre est en clash avec le vieux chauve de plus de 50 ans, qui a perdu sa vie en Europe ici, voilà, qui s'est retrouvée à Londres. Comment ça se fait que la madre se retrouve en clash avec voilà, personne? Oh, pourtant, on les voyait ensemble, chacun met la photo de l'autre, ainsi de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a des gens, maman de Carla même, qui a fait une vidéo pour m'interpeller, Destiny et tout ça. Taguez ceux que vous voulez taguer, s'il vous plaît. Vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a des gens, quand vous voyez arriver un moment, chacun prend sa route. C'est-à-dire que chacun dépose. Voilà. Élément Gladys, voilà, Kakou, j'espère que tu vas bien. Chacun dépose l'autre et puis prend son chemin. Parce qu'arrivé un moment, on s'est dit nos chemins ne concordent pas ensemble et chacun prend son chemin tranquillement et dans la paix et dans le respect. Mais il y a des personnes sur la toile, quand tu veux prendre ton chemin pour partir, il y a des gens, ils n'aiment pas forcément le fait que chacun prenne sa route et chacun va à ses occupations. Ils vont toujours te mettre les bâtons dans les roues, toujours t'emmerder parce que tu veux faire chemin seul. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Parce que quelqu'un qui veut te clasher, le chauve. Le chauve de Londres. Quelqu'un qui veut te clasher. Qui dit que tu vas l'île. Quand tu dis à la personne, tu vas l'île. Ce n'est pas chanson d'église. Tu vas venir déposer pour dire à la personne, tu vas l'île. Oui. Parce que déjà, quand tu mets la musique de Maman Marie, ce n'est pas. Déjà, même toi-même, tu sais que dans où tu es là, tu ne peux pas piquer la personne. C'est ça qui est le vrai point. Tu ne peux pas piquer la personne. Même si on t'a payé 1 million. Tu ne peux pas piquer la personne. Même si on ne t'a pas demandé pardon, tu n'es pas garçon, tu n'es pas né garçon. Tu n'as pas de couilles pour dire que tu as piqué la personne. Oui. Je suis femme en chair, mais esprit garçon, ce n'est pas du jeu. Tu ne peux pas, même si on t'a payé 1 million, tu ne peux pas. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Cette personne qui a léché les bottes de maman Francine Ba dans son inbox. Au point que la personne était musicien d'après lui dans le temps et personne n'osait jouer sa musique. Qu'est-ce qu'il va faire? D'après lui, ces personnes qui se disent, ce sont ces personnes aujourd'hui qui le soulèvent aujourd'hui parce qu'il n'était rien avant. Lui, il n'était rien avant. Aujourd'hui, ces personnes-là le soulèvent parce qu'aujourd'hui, il a une petite visibilité. Aujourd'hui, on le soulève. Mais hier, quand il n'avait rien, quand il n'était rien, quand il était fologo, c'est dans le une bosse de Maman Francine qu'il est rentré pour que Maman Francine puisse jouer sa misérable musique, sa misérable chanson. Oui, c'est dans mon inbox. La madre, s'il te plaît, je chante, tu peux jouer ma musique. Je ne connaissais pas cette personne. Oui. Mais vous savez, quand vous rentrez dans mon inbox, il y a plusieurs blogueurs, si je dois citer leur nom. Madré, je m'appelle tant, j'ai une page. Est-ce que tu peux partager? Et puis je partage sans même chercher à comprendre ou quoi que ce soit. Parce que nous sommes sur le méta là. Nous sommes sur le méta. C'est le méta est tellement grand que chacun est libre. Et chacun fait son blog comme il peut. C'est comme ça, c'est un énergumène. Il y a dit sur le métal, là, il y a les gens, on répond. Et puis il y a les gens qu'on voit comme déchets toxiques. Il y a des gens sur le métal, là. Quand tu dis qu'il y a des personnes, des blogueurs que tu méprises au point que c'est des serpillères, ceux-là, tu ne les donnes pas, tu ne les donnes même pas, non. Mais il y a des gens, là, tu réponds parce que. Tu leur donnes un minimum de valeur.
Sinon, il y a d'autres là, ils vont sauter comme dans panier à crabe. Sauter, descendre. À peine tu vois leur image, ils font vomir. À peine tu vois leur visage, tu as l'impression que tu as envie de vomir en même temps. Parce que tu as classé ces personnes-là comme dans toilettes publiques ouvertes où ça fait plou, 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 où les gens chient, ça fait plou, plou. C'est là-bas que tu les as déposés. Donc, ces personnes-là, c'est vu et ignoré. Monsieur le chantre, d'après toi, c'est parce qu'on t'a trop appelé. Sinon, j'allais lire l'heure. Tu n'es pas garçon. J'ai dit, j'étais prête. J'attendais ton live. Bouah, j'étais assis au calamar, au calme. Ça dit que tu sortais, il sort. Il ne me disperse pas. C'était toi ma cible visée. Oui. Tu étais ma cible. J'étais prête pour toi. Il a dit, tu n'allais pas croire avec qui tu avais affaire. De la manière que tu me regardes, tu dis, j'allais pas croire. Toi-même, tu n'allais pas croire avec qui tu avais affaire. Si tu avais affaire à Mousseau ou bien tu avais affaire à un garçon. Tu n'allais pas croire. Si tu allais dire, mais c'est une femme, je me bats ou bien c'est un garçon. J'allais te faire respecter que tu es un masculin. Un demi-homme. Voilà. C'est ce que j'étais prête. Mais tu es sorti là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Que tu as vu, tu as l'île. Toi, tu peux me faire l'île. Toi, tu peux me faire l'île. Il t'a montré que ton anus coule. C'est ce qu'il t'a dit. D'aller te protéger. C'est ce qu'il t'a dit. Il t'a dit que tu es un boda percé. Il t'a dit ça. Il a dit que tu rentres dans mes 4 mètres carrés, je chicote les parois de ta mère, je chicote les parois de ta femme, et puis je prends ton bébé, je chicote ses parois. Je t'ai dit ça. Il dit, t'es prête, j'étais assis depuis, j'étais prête, je t'attendais. Il allait enlever ça dans tes rétas là. Il allait soulever ça, enlever ton coco, déposer ça sur tes lèvres. Je t'ai dit ça. Je dis que t'es prête pour toi. Tu penses que tu as crié fort, tu t'es amusé, tu n'as pas crié. Toi, tu n'es pas un clasheur. Toi, tu es un amuseur public. Toi, tu es un dessin animé. Oui. Toi, tu es un dessin animé. La minute de Maya, je te salue depuis ta position. Ma fille, j'espère que tu vas bien. Juste que je fais pas de clash et j'explique les choses. Merci pour ton live. La minute de Maya, merci pour ton live. Ton live était sensé. Ton live était clair. Et ton live était limpide. Je te dis la vérité. Tu as glacé mon cœur. Ce n'est même pas du jeu. Tu as dosé sur mon cœur. De toute façon, j'étais prête à sortir. Là, tu as dosé, tu as mis l'eau glacée sur mon cœur. Mais quand tu sais que j'étais déjà prête à venir comment, il faut que ça sorte un peu. Même si ça ne sort pas complètement, mais petit que j'avais prévu, là, il faut que ça sorte. C'est pour ça que c'est si bien. La minute de Maya, tu as dit une phrase là. Que non, on n'a qu'à faire comme la Juju. On n'a qu'à faire comme la Juju. Que non, on n'a qu'à faire un peu comme la Juju, on ne doit pas répondre à tout. Mais si on ne répond pas à tout, si on doit faire comme la Juju, là, c'est qu'on va, les gens vont trop manger la Juju. Si on ne doit pas répondre, tu sais que la Juju, elle ne répond pas à tout. La Juju, elle fait vu et ignorer. Si nous aussi, on dose, nous qu'on met nos caméras là, ce n'est pas forcément pour nous. Ce n'est pas forcément qu'on sort souvent là. C'est à cause de souvent la Juju qui attaquait de part et d'autre, et puis on met notre caméra. Mais si on veut faire vue ignorer aussi, là, c'est que la Juju, on va laisser la Juju en plein milieu de Facebook. Ils vont la manger à beaucoup de bruit. C'est la partie là, voilà, seulement je voulais te dire, quoi. Sinon, souvent, c'est pas à tout le monde. Ce n'est pas à tout le monde, je réponds. Sinon, il y a beaucoup. Toi, monsieur, va fournir la liste de ceux qui se permettent de m'insulter, là. Il y a beaucoup, mais il ne répond pas à tout. En temps normal, il ne répond pas à tout le monde. Je ne réponds pas à tout le monde. Mais la juge, c'est vrai, elle ne répond pas. Elle ne répond pas. Et nous aussi, on va jouer, on ne répond pas. Mais on va la laisser, les gens vont trop la manger, beaucoup de bruit.
Les gens vont la déguster avec beaucoup de bruit. Ma fille Maya, voilà pourquoi la madre, elle ne m'a pas envoyé. Hein? Non, elle n'a envoyé personne, elle ne m'a pas envoyé. Hein? C'est moi-même mon bon vouloir. Elle ne m'a jamais envoyé pour dire viens me défendre, jamais de la vie. C'est moi-même qui. C'est moi-même. Je me lève. C'est moi-même, je me lève. Puis même ma caméra, jamais m'envoyer. Moi, personne ne m'envoie pour venir faire live. Personne. Personne ne me voit, ne m'envoie pour venir faire live. Je te dis, je te promets. Toi-même, tu as souligné une ligne. Tu dis que tu es Capricorne. Donc, tu connais un peu notre fonctionnement. De toute façon, toi-même, tu dis, quand tu es quelqu'un, là, tu es quelqu'un qui a l'ascaras. C'est la personne même qui va te décevoir et puis tu vas déposer la personne au carré. Nous, on ne déçoit pas. Nous, on est au fou et moulin avec la personne. Oui, lui, là, c'est juste un petit talonnement. Est-ce que tu me vois, il répond à tout le monde. Aïe. Est-ce que tu me vois, il répond à tout le monde. Maya, toi, mais faut voir. C'est un genre de petit talonnement, un genre de la passe. Il a voulu faire un genre de passe. Petit passe, il a fait là, faut voir. Les chiots de Facebook, les chihuahuas. Petit talonnement. Wow, wow. Nous, on déçoit. C'est les gens qui nous déçoivent et puis on les dépose au carrefour. Maintenant, quand on les dépose, ça les fait mal. Quand on les dépose, par exemple, 20 mois, on ne revient plus derrière. Nos vues ignorées, on ne revient plus derrière. C'est-à-dire qu'on t'a regardé et puis on tourne dos. Et puis quand on tourne dos, ça veut dire que tes actualités ne nous intéressent pas. Moi, je ne comprends pas. Quelqu'un qui dit non que ton actualité ne t'intéresse pas, mais quelqu'un qui te fait 20 mois, mais son actualité t'intéresse. Ça veut dire que le 20 mois de la personne t'a marqué à vie. Parce que la personne, quel que soit ce qui t'arrive sur le métal, la personne ne clique même pas. Ça veut dire que la personne ne fait même pas du aide-moi à détester. Même si tu te retrouves dans quelque chose là-bas, que la personne même peut venir profiter de cette occasion même pour se moquer de toi, la personne même fait vieux et nouveau parce que la personne t'a déposé. Ça veut dire que la personne t'a déposé dans un colis suspect dans un endroit. Oui, la personne t'a déposé des colis suspects. Donc, que ton actualité soit positive ou négative, la personne ne clique plus dessus. Que tu sois même dans un buzz quelconque où on parle de toi, la personne fait vue ignorer, il fait autre chose. Parce que t'as déposé, ça veut dire que tu n'existes plus dans ces 4 mètres carrés. Mais il faut en faire de même, en fait. Vous n'avez pas cette capacité d'en faire de même, il faut en faire. C'est important. C'est important de faire pareil. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Mettez le cœur, c'est bloqué, mettez le cœur. Je vais aller faire une petite vidéo, hein, tranquille. Il y a vu Maya. Il y a vu Maya, je voulais lui expliquer le début. Parce qu'il y a d'autres qui ne voient pas le début et puis ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Vous savez, quand vous avez des personnes dans votre inbox, tu es sorti, tu dis non que les gens t'ont parlé. Tu es sorti, tu dis non que les gens t'ont parlé. Non, faut pas parler ainsi de suite. Mais ces personnes qui t'ont parlé là, elles-mêmes, elles ont vu que j'allais pas voyager avec ton Bouddha. J'allais voyager avec Bouddha de ta mère. J'allais voyager avec Bouddha de ta femme. De toute façon, j'allais. Parce que moi-même, je suis femme. Moi-même, maman Francine Bala, je suis femme. Donc, je connais les labyrinthes de Bouddha de femme. Je sais comment il y a décortiqué le Bouddha de ta femme et de ta mère. Comment il y a rentré dans les labyrinthes pour nager. Tu as vu ça, tu dis non, elle a laissé la dame là parce qu'elle n'est pas normale. Il n'y a pas quelque chose que je vais lui dire et puis ça va la casser. Parce que je vais lui dire, elle va sortir pour mettre sa caméra pour répondre. Allez-y, voir d'autres femmes qu'on insulte et puis elle rentre en brousse. Ce n'est pas maman Franzimba. Des femmes d'après vous, la femme là, la honte c'est sur son front. Oui, mais c'est vous, la honte est sur votre front. Moi, la honte n'est pas sur mon front. Oui. La honte là, n'est pas sur mon front.
La honte n'est pas sur mon front. Non, vous qui dites que vous avez suivi tout dès le début, vous n'avez pas suivi tout dès le début. Le début, c'était quoi? On va commencer. Le début, comme je vous dis, je remercie mes Amazones et mes guerriers. Oui, je vous vois pimpant dans les commentaires. Ce n'est pas du jeu. C'est-à-dire, sur ma page, vous laissez commentaire. Sur les pages des autres, vous laissez commentaire. Je vous dis merci. C'est ça qu'on appelle, oui, des Amazones et des guerriers. Je suis arrêté là. C'est que je n'ai pas de mouviette derrière moi. Il y a des guerrières derrière moi. C'est comme si tu prends un cheval gagnant. Et puis tu déposes le cheval gagnant. Si tu ne peux pas pédaler ou bien galoper hein, le cheval gagnant devant, ma chérie, il faut te mettre à côté. Parce que le cheval gagnant là, hein, le cheval gagnant là, pédale tellement que si tu sais que tu n'as pas d'effort pour pédaler le cheval gagnant là, il faut te mettre à côté parce que c'est trop rude même. On n'est pas là pour rigoler sur le métal. Bah, il y a la vraie sorcellerie. Les sorciers sont quittés au village. Ils ont atterri sur Facebook. Ils ont atterri sur Facebook. Et je demande à la Ekalan, merci pour tout. Je vous remercie depuis votre position. Parce que vous faites ça dur. Vous faites ça à l'envers. Oui, ça les dépasse. Parce que vous avez pris votre madre. Fata Fongbe, je vois tes commentaires. Fata Fongbe, je vois tes commentaires. Tu fais ça propre. Veroling, Nadalison. J'ai dit, je vous vois. Partout. Ce n'est pas du jeu. Vous rentrez boulet. Au calme. S'ils ont trop fait, ils vont vous bloquer. Mais je vous vois. Oui, oui, oui. C'est, je vous dis merci. Je vous dis merci. Oui, parce que vous ne lâchez pas. Et puis vous ne lâchez pas. Pourquoi? Parce que vous suivez la madre avec des principes. Vous suivez la madre avec des principes. Je vous explique. Vous me regardez et vous dites que non, la madre, les gens la provoquent. Lily MC Clément, entre filles, je vous remercie. Ce Amoussoumoulé, est une personne, quand elle cherchait de la visibilité, elle est rentrée dans mon inbox pour me demander de partager sa musique. Personne ne le calculait. Personne, d'après lui, les gens qui connaissaient depuis 1900 Choué, là, ne le calculaient pas. Mais c'était la madre Francine Ba qui de temps en temps le taclait, le taquinait ainsi de suite. Cette personne, la dernière conversation que nous avons eue, que j'ai eue avec cette personne, c'est lors du problème de ma fille qui se trouve en Côte d'Ivoire. Quand on l'a attrapée et puis on l'a envoyée au show. Et les gens ont parlé, ils ont commencé à me remercier partout, parce que j'ai envoyé 500 000 francs CFA. Donc quand il a appris que j'ai envoyé 500 000 francs CFA, comme cette personne a l'habitude de demander des sous aux gens, de l'argent, parce qu'il n'a rien, il n'est rien, il est que dalle, il s'est levé là-bas, aller faire une vidéo. Tout simplement, parce que j'ai dit que je vais encadrer mes jeunes sœurs et mes jeunes frères pour que nous puissions se mettre ensemble pour faire une petite association pour nous défendre maintenant qu'ils ont mis la loi de la AK qui nous condamne. Et j'espère que Maya est là. Maya est là, Mimi Love est là, tout le monde est là pour bien écouter cette histoire. Parce que vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis les deux là se clashent. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis maman Francine va se clash. Je dis, je vais vous expliquer pourquoi le clash est arrivé. Donc, il s'est levé, il a fait un post. Il a mis ma photo là-bas. Pour dire, président, président, je te nomme présidente. Oui, tu es la présidente des blogueurs. Tu es la ceci, c'est là. C'est rentré, c'est sorti là. Sans même m'aviser déjà.
Il a déjà fait le poste, il a déjà fait vidéo. Tu es président, il te nomme président, président. Elle a mis ma caméra pour ma photo pour. Tu es président, président. Et appelle, après, il rentre dans mon téléphone. Quand il rentre dans mon téléphone, j'ai dit, quand tu arrives au bol, toi tu t'arrêtes vite. Mais moi, je ne m'arrête pas. Mettez, on va écouter. Toi, tu me connais. On va écouter. C'est comme ça, vous faites, puis je vous mets ça pour. Mettez le cœur. Mettez le cœur, s'il vous plaît. À nous, allez, mettez le cœur. Il est un gros mendiant. Mais on discute pas. Je discute pas. Tu me fais ça, je te fais propre. On va écouter. On va écouter. Quand ça ne réussit pas, quand je vous fais 20 mois là, et puis vous venez ici. On va écouter. Cette personne rentre dans mon inbox. Ah, c'est comme ça, hein? Déjà, joue la musique, tout. Mettez le cœur. Voilà le message, j'ai mis le message. Toi, tu ne me connais pas. Le 17 juin 2023. Le 17 juin 2023. La personne rentre dans mon inbox. On écoute. Coucou, bonsoir la madri. Alors, voilà le message. Est-ce que vous avez compris? J'ai dit, est-ce que vous avez compris? J'ai dit, mettez le cœur. Parce que moi, je ne discute pas. Je ne mets pas et puis il rentre. Et puis quand vous allez sauter derrière vous, là. Le 17 juin 2023, quand vous vous rappelez bien, là, c'est quand, chose comme on appelle la petite, là, on l'a cirée. Et puis on s'est débattu. Ou lui-même, il n'a même pas mis 5 francs dedans. On s'est débattu, on a tout fait. Puis la petite est sortie de la maca. Rose Yohou, la framponneuse, oui. Rose Yohou, la framponneuse, est sortie de la maca. C'est maintenant, il va sortir. Là, il ne connaît pas ces... Merci. Mais là, il ne connaît pas ces personnes-là. Hein. On va voir. On commence. Coucou, bonsoir la madri. Alors, voilà le message, j'ai mis le message. Hein. Donc, il faut essayer d'aménager un petit temps, faire un direct là, à propos de ça. Bah, et, s'il y a quelque chose d'autre, n'hésite pas à me contacter. Bah, je serai vraiment disponible pour ça. Mais moi, comme je dis, mes jours off sont samedi, dimanche. C'est là que je suis un peu libre. Donc, voilà. C'est essayer de voir qu'est-ce que on peut apporter. Il vient me blesser, maman. D'extraordinaire, voilà. Pour qu'on puisse, voilà un peu quoi, la madri. Prends bien soin de toi, occupe-toi du père, c'est sa fête demain. Donc, voilà. Bonne fête au père. Donc, portez-vous bien. Je ramène, hein. Vous bien. Allô. Je ramène d'abord. Oui, mais vraiment. Coucou, bonsoir la madri. Alors, voilà le message, j'ai mis le message, hein. Donc, il faut essayer de... Coucou la madre, voilà, j'ai mis le message. Hein. On va commencer, parce que vous là, quand vous venez dans une bosse des gens là, vous avez une manière de faire. Et quand vous arrivez, vous êtes des lèche-bottes. Vous êtes des lèche-bottes. Et c'est comme ça, on va mettre votre cuir dehors à chaque fois. Oui. Et puis, on va montrer aux yeux eux aussi de Facebook comment vous êtes faux. Oui, comment vous êtes faux.
Oui, c'est la madre qui fait le son. On va commencer. Coucou, bonsoir la madre. Alors, voilà le message, j'ai mis le message. Donc, il faut essayer d'aménager un petit temps. Fin direct là, à propos de ça. Bah, s'il y a quelque chose d'autre, n'hésite pas à me contacter. Bah, je serai vraiment disponible pour ça. Mais moi, comme je dis, mes jours off sont samedi, dimanche. C'est là que je suis un peu libre. Donc voilà, essaie de voir qu'est-ce que on peut apporter d'extra. Il vient me blesser, maman. D'extraordinaire, voilà, pour que on puisse. Voilà un peu quoi la madre. Prends bien soin de toi, occupe-toi du père, c'est sa fête demain. Donc voilà. C'était la veille des fêtes de père. C'était la veille des fêtes de père. De père. Oui. Voilà. On écoute la réponse de la madre. Maman, c'est pas là. J'allais mettre poste avant, parler, j'ai un problème pour ton âge. Hein? Des choses, il n'a jamais m'ont dit d'après lui. Lui, c'est on bat le fer quand il est chaud. Aïe! Quelque chose, ben, tu m'as appelé, mais je n'ai même pas encore réfléchi. Le temps d'aller faire live jusqu'à il a déjà mis position. Gaba de quoi que ce soit, Adam. On peut jeter sa madre à la vindicte populaire comme ça, pas. Yo! Oui, on soit boigné. En tout cas, bonne fête de paix en avance. Demain, il n'y a pas de souci. Je vais déjà voir mes disponibilités, si c'est possible et tout. Et puis, je reviendrai. Comme tu sais, ta madre n'a pas assez de temps pour se concentrer avec trop de blablaterie. Là. Ta madre a trop de choses. Déjà président de deux associations, déjà plein de choses. Voilà. Il faut faire des réunions par-ci, par-là. Attendez, hein. C'est pas pourquoi c'est coupé. Par-ci, par-là, il faut se déplacer, il faut aller dans ces trucs qu'on n'explique pas tous sur Facebook. Voilà, très très occupé, ta madre. Mais c'est une très très bonne idée par rapport à ça pour nous sécuriser aussi, pour voir que nous soyons protégés par la loi. Mais c'est très important parce que nos vidéos, c'est bien beau. Les gens ont fait nos vidéos, ils viennent aussi, ils prennent nos vidéos pour aller faire leur émission sur les télés là-bas. Ils essaient de faire du béret. Ils essaient de faire du béret aussi comme nous. Et nous, quand on fait, et nous, on est attendu, comment on appelle, sur les télés. Donc, on aimerait vraiment avoir la voix. Voilà, pour pouvoir se défendre dans ce sens-là. Et c'est très, très important. Qui nous donne une plateforme pour que nous puissions nous exprimer, pour leur faire comprendre que, voilà, c'est vrai qu'ils ne vont pas à la loi, c'est bien beau, on la respecte, mais ils ne vont pas se permettre de pouvoir, point oui ou point non, nous mettre en prison parce que la loi a décidé ça. La loi a décidé ça, oui, mais suivons la procédure de la loi dans le respect, dans la considération et dans le droit de la personne. On ne va pas venir là choper une personne devant chez elle sans même lui donner ses droits et l'amener voilà, en prison un jour, mais en moins de 24 heures, se retrouver à la maca. Il y a vice de procédure, donc je suis très d'accord pour qu'on dise ce qui arrive à ma cloco arrive à ma claca. Voilà, en tout cas, bonne soirée, mon fils, on en sort. Ça, c'est la réponse de la madre. Je vais remettre ma réponse. Je vais encore remettre la réponse parce que ça s'est coupé. On reprend la réponse de la madre. Allô, oui. Aïe, même vraiment, c'est pas là. T'allais mettre poste avant, parler, j'ai un problème pour ton âge. Hein? Des choses, aïe, il a jamais m'ont dit d'après lui. Lui, c'est on bat le fer quand il est chaud. Aïe! Quelque chose, ben, tu m'as appelé, mais je n'ai même pas encore réfléchi. Le temps d'aller faire live jusqu'à il a déjà mis position. Gaba de quoi que ce soit, Adam. On peut jeter sa madre à la vindicte populaire comme ça, pas. Yo! Oui, on soit boigné. En tout cas, bonne fête de paix en avance. Demain, il n'y a pas de souci. Je vais déjà voir mes disponibilités, si c'est possible et tout. Et puis, je reviendrai. Comme tu sais, ta madre n'a pas assez de temps pour se concentrer avec trop de blablaterie. Là. Ta madre a trop de choses. Déjà président de deux associations, déjà plein de choses, voilà. Vous faites des réunions par-ci, par-là, il faut se déplacer, il faut aller
dans ces trucs qu'on n'explique pas tout sur Facebook. Voilà, très très occupé ta madre. Mais c'est une très très bonne idée par rapport à ça pour nous sécuriser aussi, pour voir que nous soyons protégés par la loi. Mais c'est très important parce que nos vidéos, c'est bien beau. Les gens ont fait nos vidéos, ils viennent aussi, ils prennent nos vidéos pour aller faire leur émission sur les télés là-bas. Ils essaient de faire du béret aussi comme nous. Et nous, quand on fait, et nous, on est attendu, comment on appelle, sur les télés. Donc, on aimerait vraiment avoir la voix. Voilà, pour pouvoir se défendre dans ce sens-là. Et c'est très, très important qu'ils nous donnent une plateforme pour que nous puissions nous exprimer, pour leur faire comprendre que, voilà, c'est vrai qu'ils ne vont pas à la loi. C'est bien beau, on la respecte, mais ils ne vont pas se permettre de pouvoir, point oui ou point non, nous mettre en prison parce que la loi a décidé ça. La loi a décidé ça, oui, mais suivons la procédure de la loi dans le respect, dans la considération et dans le droit de la personne. On ne va pas venir là choper une personne devant chez elle sans même lui donner ses droits et l'amener voilà, en prison un jour, mais en moins de 24 heures, se retrouve à la marque. Il y a vice de procédure, donc je suis très d'accord pour que on dit ce qui arrive à Makloko arrive à Maklaka. Voilà, en tout cas, bonsoir avec mon fils en ensemble. Allô? Ça, c'est ma réponse. C'est ma réponse. Maintenant, quand j'ai fini de répondre comme ça, on va écouter maintenant lui aussi sa réponse. On écoute, vous êtes assis, non? Est-ce que vous êtes assis? Mettez les cœurs. On écoute. Oh, la madre! On sent que tu as fait bengue. On sent que tu as bengue. Oui. Non, le choco était déposé. Ouais, j'aimais la femme du père. Les anciens béguissent. Oui. Choco, là, tu ne forces pas. Oui, on sait. Que le Seigneur te bénisse dans toutes tes activités, dans le boulot et tout. En tout cas, sois béni la madre. Oh, la grande présidente du syndicat. Nous, là, ce n'est pas le syndicat du tchat, hein. C'est des vrais syndicats. Après. Non, mais. On va remettre. Oh la madre! Facebook, vraiment Facebook quoi! Facebook! Eh Dieu! Attends, pourquoi c'est lui? Oh la madre! On sent que tu as bengué. Oui. Non, le choco était déposé. Ouais, j'aimais la femme du père. Les anciens béguissent. Oui. Choco, là, tu ne forces pas. Oui, on sait que... Que le Seigneur te bénisse dans toutes tes activités, dans le boulot et tout. En tout cas, sois béni la madre. Oh, la grande présidente du syndicat. Nous, là, c'est pas le syndicat du tchat, hein. C'est des vrais syndicats. La présidente. Quand j'ai vu ce rire, vous voyez, quand vous n'êtes pas dans nos inbox, vous n'êtes pas dans nos inbox, et quand vous êtes assise là et que vous voyez des gens qui ont une manière de vous parler en inbox et que demain ils mettent leur caméra et puis ils font des vidéos et vous-même vous êtes assis par terre et puis vous les regardez. Et puis vous les regardez. Et vous les followers, comme vous n'êtes pas dans nos inbox. Et puis on vous mène en bateau. Chacun sort, chacun dit ce qu'il veut. Et quand on dit, comme on a discuté en inbox, on ne peut pas, on n'a pas souvent envie d'exposer des personnes qu'on en a discuté en inbox avec eux. Mais souvent on a envie de montrer le vrai visage de ces personnes-là.
C'est pour ça qu'on joue, on joue leur voice pour vous montrer comment les gens sont hypocrites. Oui, ils vous disent vous êtes hypocrites. Mais les plus hypocrites là, ce sont eux. Quand il a fini de faire ce loup à Talakou en inbox, ce loup rigolade en inbox, à ma grande surprise, où qu'il va venir le refoulement? Où qu'il va venir le refoulement? Vous avez vu tout ce Talakou en inbox, la madre, à notre grande surprise, quand cette histoire de le livre de Lucie sera lu et relu, le fameux livre, le fameux, ma fameuse position vis-à-vis d'Emmanuel Keïssa, c'est là va venir maintenant le problème. Et je vois cette personne-là prendre maintenant une position en train de me lancer des pics. Oh, pourtant, il a souri dans mon inbox. Il a ouvert sa gorge dans inbox. Il a fait que ça me surprend. Je le vois poser là. Il me lance des pics. Je dis, mais aïe, c'est pas la personne-là qui rit comme ça en inbox à la madre. Mais c'est quelle vidéo il est en train de faire? C'est quel genre de pics il est en train de me faire là-bas? Je n'ai rien dit. J'ai gardé pour moi au congélateur. Parce qu'il faut que je vous explique d'où vient le refoulement de la madre. J'ai gardé pour moi au congélateur. Je n'ai rien dit. Je voyais ses vidéos. Je voyais comment il fait. Il met ici, il met ici. Je suis assis doux. Hein? Je n'ai rien dit. J'ai pris mon mal en patience. Doux antiquement parlant. Je dis si je mets ma caméra et puis je parle, ce n'est pas bon. Je vais le laisser. Oui, il va sortir. Je sais que tellement il est hypocrite. Il va sortir de là-bas. Il va venir sur ma page. Donc, je l'attends. Parce qu'il fait des choses comme ça en soubrelele. Il vient, il mord, il souffle. Il mord, il souffle. Il est dans une bosse. Il va cogner tête. Il critique ici. Il dépose ici. Il mord, il souffle. Donc, je dis, lui, là, je l'attends. Comme il est né avant la honte, il va venir sur mon live. Et c'est quand il va venir sur mon live, je vais le refouler en plein live. Voilà d'où vient maman Francine Ba. Le refoulement digne d'un film d'horreur, là. C'est ça. Maman Francine Ba a déposé au congélateur. Oui. Après, c'est rire déployé dans mon inbox. Il sort et puis ça en fait n'importe quoi. Oui. La minute. Souris machiavélique, oui. Et puis il lance des pics. Et puis il fait ceci. Vous ne comprenez pas, vous dites aïe. Mais pourquoi la madre a refusé de prendre chose, comment on appelle? Oui, affaire de la pipeuse, merci. Affaire de la pipeuse, tout ça, merci. Vous suivez vraiment l'école. Vous suivez vraiment en classe. Vous suivez vraiment en classe. Oui. Vous suivez vraiment en classe. Affaire de la pipeuse. Il a pris comme ça, pris. Attends, quelqu'un qui arrive dans ton inbox, gaï. Affaire de la pipeuse, il a pris position. Ainsi de suite, il est en train de me lancer des pics. Je dis, mais il a quel problème avec moi? Il a quel problème avec moi? Ainsi de suite, il a commencé. Mais quand il fait ça, mais toi, tu fais quelque chose à cette dame. Elle te voit, elle t'a vu, mais tu oses quand même prendre tes deux pieds. Lui, c'est à la fin de 6 ans, oui. Comme elle n'est pas dans le truc, je ne veux pas l'envoyer dedans. Elle n'est pas dedans, c'est pour ça que je ne l'envoie pas dedans. Voilà, on dit dans la vie, là, quand quelqu'un n'est pas dans quelque chose, là, tu ne l'envoies pas dedans. Sinon, c'est affaire de 6 ans, affaire de pipeuse, affaire de choses, le livre après, ainsi de suite. Voilà, je ne veux pas l'envoyer dedans. La personne est au chaud, je ne veux pas l'envoyer, c'est pour ça. Sinon, vous savez d'où ça a commencé. Vous savez d'où ça a commencé. Voilà. Donc, j'étais assise doux hein, et puis je l'attendais au tournant. Je voulais vous expliquer d'où ça a commencé au fait. Je l'attendais au tournant. Parce que tu ne peux pas rire à gauche déployé comme ça dans le inbox de quelqu'un. Tu ne peux pas rentrer dans le inbox pour demander à cette personne-là
d'être la présidente des présidents, tu es la présidente de tous les blogueurs. Toi-même, tu as pris l'idée, soulever ton téléphone, lourd téléphone, parce que tu as compris qu'on a donné 500 000 francs en Côte d'Ivoire là-bas pour faire sortir. Tu as entendu l'argent net, prim, tu es sorti. Comme tu as donné 500 000, tu es la présidente des présidents, parce que tu as vu l'argent, tu as vu Dieu. Tu n'as pas vu, tu as vu Dieu. Tu as laissé toutes ces personnes-là qui devaient être derrière toi-là. Tu as sauté, tombé dans le inbox de la main de Tchourou parce que tu as vu l'argent. Parce que c'est l'argent qui t'appelle. Tu es la présidente des présidents. J'ai pris, j'ai rigolé. J'ai dit, moi, je n'ai pas le temps. J'ai deux associations couru là. J'ai mis ça en plaisanterie. T'as pas vu, quand tu veux rentrer dans mon Yukli, on faisait comme ça. On faisait vent. Tu appelles, je te loupe, tu me loupes, on fait comme ça, vent. Et qu'après là, on a damé sur le projet. Et je suis passé à Oshopa, il y a vu dans ton jeu. J'ai vu dans ton jeu était trop mesquin. Ça veut dire que j'ai vu ton jeu à l'œil nu. J'ai vu tellement que tu étais faux. Tu étais une fausse personne. Tu lapes où ça t'arrange. Tu lèches où ça t'arrange. C'est pour ça. Quand tu es venu sur mon live, tu n'as pas compris, mais je te dis, tu es venu sur mon live, je t'attendais au tournant pour ton nid devant plus de combien de personnes, pour montrer ton vrai cul. C'est là quand tu es arrivé sur mon live, et qu'il y avait du bon, il y avait full, va déjà. C'est là que je t'ai dit, j'ai fait exprès même. Oui, j'ai fait exprès. Quand tu as demandé l'invitation, je pouvais te faire vendre. Je pourrais te faire vu ignorer. Ivy Love, mon bébé, je te salue depuis ta position. Il a vu, il pourrait faire vu ignorer. Il dit non, lui là, il faut que je marque son hypocrisie à un fer rouge. Il faut que je dépose son hypocrisie à un fer rouge. Tu as demandé à monter sur mon live. Il était vu comme ça, Fafa. Puis il dit, tu ne montes pas sur mon live. Parce que ton hypocrisie là, j'ai déjà vu. J'ai déjà vu ça depuis. Et puis il était dépassé. Depuis. Quand il était déposé, tu n'as pas digéré, tu n'as pas compris. Tu ne peux pas digérer. Tu es chez toi là-bas. Tu as te lever, tu as me lancer un pied. Tu as te lever, c'est moi mon nom. Tu as te lever, tu as fait comme ça. Tu as te lever, tu as pris mon nom. Hey. Tu as te lever, tu as pris mon nom. Les gens n'ont pas vu pour t'interpeller. Les gens là, ils t'ont pas vu pour dire, il faut laisser la dame là. Ils t'ont pas vu pour t'interpeller. Quand tu avais commencé à lancer les pics là, personne n'a mis sa caméra. Même Maya, qui m'a interpellé aujourd'hui là, t'as pas interpellé. Même d'autres personnes qui ont mis la caméra, qui m'ont interpellé là, t'ont pas interpellé pour te dire que, hé, depuis que tu es en train de faire des pics à la dame là, elle répond pas. Elle te regarde. Elle fait vue ignorée. Faut pas faire qu'elle va sortir là. C'est pour elle, on va voir. Qu'elle va sortir là, c'est pour elle, on va voir. Personne n'est sorti. Il était en train de jouer. Il était en train de sauter dans le panier à crabe. Si on lui a trop demandé, c'est ce mois il va venir jouer son renta. Si on lui a trop demandé, c'est un meilleur rouleur de fesses. Si on lui a trop demandé, il s'est trop courbé. Ils ont trop déchiré son boda. C'est un mois il veut jouer. J'ai regardé jusqu'à Angélie la madre. Tu ne peux pas répondre à tout le monde. Laisse les gens gesticuler. Laisse les gens gesticuler. Tu ne peux pas répondre à tout le monde. Tu ne vas pas te permettre à répondre à tout le monde. Mais pour lui seulement là, j'ai voulu lui dire qu'il n'est qu'à arrêter de rouler ses reins sur ma vie. Il n'est qu'à arrêter de rouler mes reins sur sa vie. C'est ce qui a fait que je suis sorti. Et puis, il lui a dit son cul est ouvert. Et que je lui ai dit, il a un boulot misérable et miséreux. Et puis, je lui ai dit, après 30 ans ou 50 ans, Maya a dit dans son live, il n'y a pas de son métier. Effectivement, il n'y a pas de son métier. Tout boulot là. C'est un boulot. Il n'y a pas de son métier. Mais je voulais lui faire comprendre que ça fait 40 ans qu'il est en France ici. Ce n'est pas ce métier-là qu'il doit faire. Il n'a qu'à arrêter de motiver nos enfants à se lever à 2 h du matin pour aller se faire agresser.
Si lui à 40 il est à Benguessi là, il n'a pas trouvé sa vie là, il n'a qu'à aller se faire voir. C'est là que je suis sortie pour lui dire son vrai nom. Et lui il sort pour me dire non que mon métier j'ai fait pour laver cuit des gens. Donc je lui ai fait comprendre que pour laver cuit des gens, il y a une formation parce qu'on nous parle boda des gens n'importe comment. Faut savoir comment tu ouvres un boda. Lui son boda de toute façon c'est fendu là. Oui, après son travail d'amour soumoulé là. Quand ils vont venir à l'hôpital là, on oublie de prendre son cuir délicatement pour pouvoir nettoyer, pour désinfecter, pour mettre des anti, des comment on appelle, des anti. Qui est venu, merci Saint-Étoile. Sonia quoi, mais merci pour tes 600 étoiles. Merci pour des... Oui. Donc, on fait formation pour ça. On va à l'école pour ça. Et puis, on ouvre le boda. Et puis, on dit non. Avant de toucher le boda de lui, là, il y a une manière de faire, une manière pour pouvoir toucher le boda. Faut pas trop foncer. Hein? Pardonnez. Faut pas trop foncer. La paire de ciseaux, faut désinfecter, avec la paire de ciseaux, tu trempes un peu, tu désinfectes le tout, et puis maintenant, tu bouges ça. Donc, c'est formation de ça, là, pour dont tu es venu lui dire. Donc, Maya, j'ai compris ta vidéo. On prend les antiseptiques, on prend la paire de ciseaux comme ça, crac la paire de ciseaux, on plonge un peu là-bas, puis on nettoie de toute façon. Il y a une manière, tu peux pas trop nettoyer. Tu peux pas trop, sinon tu vas re-blesser la plaie qui est blessée. Donc il y a une technique. Technique, Maya même au courant. La paire de ciseaux bleu façon bizarre qui ne blesse pas trop là. La paire de ciseaux qui ne déchire pas trop, quand on prend comme ça, puis on fait d'une manière pour désinfecter, et puis après on met, puis on dit quoi. Maintenant, ça, c'est formation, oui. Mais formation pour aller vendre croissant, il n'y en a pas. Formation pour aller vendre croissant, il n'y en a pas. Formation pour passer l'aspirateur, il n'y en a pas. Il n'y a pas formation pour passer l'aspi. Il n'y a pas ça. Même pour moi, là, j'ai formation de ça. Qu'on n'a qu'à montrer son travail. Donc, de rentrer dans la chambre d'un malade. Quand vous êtes malade, là, vous allez vous permettre qu'on vous filme pour mettre sur le méta. Ou bien de rentrer dans la chambre d'un patient pour prendre ses paramètres vitaux. De prendre les paramètres vitaux d'un patient. Température. Non, mais vous êtes malade ou quoi? Hein? Vous êtes malade? Vous êtes malade. Ou bien de rentrer pour faire bladeur d'un patient. J'ouvre son ventre. Je mets le gel pour sur son ventre. Je mets le gel pour. Je filme moi, hein. Soulever le ventre du patient. J'ai fait un bladeur. Soulever son ventre. Je prends l'appareil. Je mets pas. J'attends que toutes les flèches là, ça libre. Bladeur. Combien de millilitres? Vous êtes malade. Vous êtes malade ou quoi? Vous êtes malade? Ou bien de prendre la glycémie capillaire? Je vais prendre la glycémie capillaire. Oui, il a combien de grammes? 0, nanana. Oui, ça va. Oh, filmez-moi. Oh, j'ai pris grammes de glycémie capillaire. Là, je suis trop dangereuse. Je maîtrise la glycémie capillaire. Je maîtrise la glycémie capillaire. Voilà, ça a filmé. Oh, la meilleure piqueuse de glycémie capillaire du monde entier. C'est ça. C'est ce que vous voulez que je vous montre. Ou bien de rentrer dans une chambre. Je rentre dans une chambre un matin et je pose des questions habilité à savoir comment le patient a bien dormi ou bien s'est bien réveillé, sa nuit s'est passée comment, toutes ces questions relatives à sa santé, de me filmer et puis
de vous le montrer sur le méta. Parce qu'il y a des gens là qui veulent voir, voilà comment je fais, comment je procède, quand je rentre, quand je toque, quand je rentre dans une chambre et que je demande au patient comment il va et tout, je dois filmer ça, filmer le patient dans sa chambre. Vous savez ce qu'on appelle l'éthique, la morale, la déontologie d'un hôpital, vous savez, le secret, vous savez. Vous savez? Non, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Non, vous ne savez pas. Mais vous me voyez quand même quand je vais à l'hôpital, je suis en tenue. La tenue que je porte, la tenue blanche, là, vous, ça ne vous suffit pas. La tenue blanche que je porte, ça ne vous suffit pas. Je dois monter ma carte de travail. Voilà ma carte. Pourou, je vous montre ma carte. Voilà ma carte, hein. Vous, des chiens qui êtes sur le métal, moi, de venir vous monter ma carte. Et puis, vous allez me donner quoi? Je vais vous monter ma carte, vous allez me donner quoi? Hier, ici, vous m'avez lancé le défi de manger piment. J'ai mangé piment. Vous dites que c'est piment, caca. J'ai mangé piment. Vous dites que c'est piment, caca. J'ai pris du sel, vous dites que c'est sucre. Qu'est-ce que j'ai venu vous montrer et puis vous allez croire? Je vais prendre 4 pour venir déposer, vous allez dire que c'est faux. C'est 4 de quelqu'un d'autre que j'ai pris pour déposer. La dernière fois, j'étais sur l'ordinateur. J'étais sur l'ordinateur en train de tracer. Vous dites que non, mon ordinateur, vous ne voyez pas le nom du patient qui est sur l'ordinateur. Vous voulez voir le nom du patient où je clique tout ce que j'ai fait le matin. Vous voulez voir pour cliquer pour le patient, clac, clac, clac. Ah oui, vous voulez que je vous montre ça. Et vous allez saisir ça. Vous allez saisir ça pour aller déposer ça pour dire voilà. Hé, elle à l'hôpital, elle montre les patients. Comme vous ne voyez pas les patients dans mes affaires, comme vous ne voyez pas de patients dans mes affaires, vous n'avez pas dit que vous allez venir me dénoncer. Vous avez dit que vous allez venir me dénoncer dans mon travail. Je vous attends depuis là. Qu'est-ce qu'il y a? Mais vous attendez un instant. Oui, qu'il y ait un patient dans mes vidéos. Vous attendez ça comme ça. Vous savez très bien que je ne peux pas mettre un patient dans ma vidéo. Mais vous priez Dieu. Je ne prie. Maman Francine, bah, hey, le rêve en fait là. Elle va prendre un patient comme ça, elle va le filmer, bim, téléchargement de cette vidéo-là, bim. Mais comme vous me voyez seul, et qu'on a le droit, allez-y voir les infirmiers, les soignants, les médecins sur TikTok. Ils font TikTok en tenue, tout le monde est versé là-bas, mais ils font ça sans les patients. Ils font ça sans les patients. Ce que vous voyez les patients, c'est que la famille a autorisé. Si vous voyez une soignante, une soignante qui est avec un patient, c'est qu'elle a demandé l'autorisation à la famille. Qui dit oui, comme ça fait plaisir aux parents, mais faut le mettre, faut faire des vidéos avec lui. Je fais le même métier. Véquine, comment tu vas? Je vais très bien. J'espère que tu te portes bien à Londres là-bas. Faut montrer ton métier, faut montrer ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais? Où sont les patients? Si vous êtes stupide, si vous êtes stupide, je ne suis pas stupide vis-à-vis de vous. Vous savez, quand je fais mes vidéos, je connais mes limites. Quand je fais mes vidéos, je connais mes limites. Je sais où je peux arriver puis où je n'arrive pas. Donc vous allez monter, sauter. Ce n'est pas de moi que vous êtes en train de parler. Donc, la minute de Maya avec toutes mes personnes qui sont sorties pour faire des vidéos pour moi. Je vous ai compris. Je vous ai compris. Oui, dans vos vidéos, dans vos préoccupations. Et ceux qui me suivent normalement savent très bien que je ne réponds pas à tout le monde. Si Maya, je te fais une liste,
Si je te fais une liste, peut-être il y a beaucoup de vidéos que tu ne vois pas. Les blogueurs qui sont là, peut-être il y a beaucoup de vidéos que vous ne voyez pas. Si je te fais une liste de ceux qui prennent mon nom pour m'insulter, tu vas voir que c'est au moins une trentaine de personnes. Est-ce que tu me vois répondre? Je sois, je ne mets pas à une personne. Et les autres mouches sortent en vrai caca. Les autres mouches, les grosses mouches là, de caca là, ça sort comme ça, voilà. Mais comme tu as dit dans ton live, Maya, tu as dit quelque chose. Tu sais que quand tu sors fort. Tu parles fort. Oui, tu sors, tu parles fort. Ça dérange. Même si tu as 10 personnes, tu parles fort, maman Francine. Bah, c'est pour ça que je ne veux pas que tu parles. J'ai compris. Mais comme je t'ai dit là, je ne peux pas trop promettre. Pour dire que, ah Maya, il n'y a pas à répondre à Pierre, il n'y a pas à répondre à Paul. Parce que ma petite soeur Emmanuel qui est à la juge de la gloire glorieuse, quand je vais voir qu'elle sera attaquée, il va me mettre au piqué. Mais comme elle est sur le métal, qu'on l'attaque tous les jours, quand est-ce qu'on va se reposer? C'est ça le vrai point. Maya, quand est-ce qu'on va se reposer? Puisqu'on l'attaque tous les jours. Ok, on va snober alors. On va snober jusqu'au point où on va voir où on peut arriver. On va snober. On va essayer de snober. On va essayer de snober. Et puis ça, c'est quelqu'un qui a toujours attaqué. Sinon, nous, on veut snober. Nous, on veut passer à autre chose. Mais petit modèle où elle est arrivée, petit modèle aller aux États-Unis. Aux États-Unis, là, voilà le problème on a vu. Ce n'est pas nous, on allait aux États-Unis, c'est elle qui allait aux États-Unis. Toi-même, regarde, elle est partie aux États-Unis. C'est nous, on ne peut pas s'asseoir. C'est ça qui est le problème. Sinon, nous, on veut snober. Hein? Wallahi Bilay, nous, on veut snober. Maya dit si on l'attend. Elle met révélation. Ivy Love. Hi. Mais regardez, Mimi Love. Vous-même regardez, on peut se lober, on peut dire bon, c'est pas grave, ils n'ont qu'à faire, mais on est là, ça bouge, nos cœurs chauffent, on veut se lober, mais elle est seule, pour elle, rien, voyage, même petit voyage, elle a fait là, c'est devenu affaire. On veut se lober, au moins, il veut se lober, hein? Mais c'est fort. Hein, t'as compris, Maya, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. On ne va pas répondre à tout le monde. On ne va pas fabriquer tout le monde. Donc, merci à vous tous. Sachez que nous rentrons dans la nouvelle année, comme j'ai dit. J'ai dit que j'avais la perfusion. Mais la madre, je t'ai vu avec. Ah. Et la madre, elle t'a vu en valise. Je suis arrivée aux États-Unis. Je suis aux États-Unis dans mon salon. Tu m'as vu, je suis arrivé aux États-Unis. Je suis aux États-Unis. Je suis aux États-Unis. Je suis arrivé aux États-Unis. Oui, j'ai déjà vu la Juju. J'ai déjà vu la Juju. Je suis arrivé. Même salon là. Hein? D'accord? Hein? Ok. De retour avec jet privé. Je suis allé dès que vous savez qu'on a les jet privés, on fait l'aller-retour. Je suis allé à l'aller-retour, mon cher. Nous tous on est direct dans le pafloutage. Je suis allé à l'aller-retour, fa ici revenir ici au salon. Vous allez douter de qui? On est dedans. Donc, je vais jouer encore la voix de ce plaisantin. Hey, c'est même pas la peine. Non, vous pensez que parce que... quand je... Oh, la madre! Que tu as fait bengue. On sait que tu as bengue. Oh la madre! On sent
que tu as fait Bengue. On sait que tu as Bengue. Oui. Non, le shampoing était déposé. Ouais, j'ai aimé la femme du père. Les anciens Benguistes. Oui. Shampoing là, tu ne forces pas. Oui, on sait que... Que le Seigneur te bénisse dans toutes tes activités, dans le boulot et tout. En tout cas, sois béni la madre. Oh, bonne fête au père. Donc, portez-vous bien. Oh, la grande présidente du syndicat. Nous, on a droit au syndicat du Tchad. Hein. C'est des vrais syndicats. La présidente. La présidente. Moi, je sors, je fais un ziggy. Oh, la madre. Oh. On sent que tu as fait Bengue. On sent que tu as Bengue. Oui. Non, le shampoing était déposé. Ouais, j'ai aimé la femme du père. Les anciens Benguistes. Oui. Shampoing, là, tu ne forces pas. Oui, on sait que... Que le Seigneur te bénisse dans toutes tes activités, dans le boulot et tout. En tout cas, sois béni la madre. Oh, la grande présidente du syndicat. Nous, on a droit au syndicat du Tchad. Hein. C'est des vrais syndicats. La présidente. La présidente. Juste vous dire, faisons très attention à ce qui se passe sur Facebook. Faisons très attention. Il y a des gens qui sont dans nos inbox. Oui, moquerie, mais... Passer pour lui. Hein? Hein? Un rito forcé. Que la femme du père. La prési. Ah, d'accord. Vous avez compris? Celle-là, j'ai vu son hypocrisie. Celle-là, j'ai vu son hypocrisie. Et puis, celle-là, je l'ai déposée. Mon fils Nda Julien, comment tu vas depuis ta position? Vous vous demandez, mais la madre, qu'est-ce qu'il a fait? La madre, qu'est-ce qu'il a fait? Mais pourquoi la madre, il y avait 3000 personnes comme ça, puis la madre a fait ça, pourquoi? C'est son riz hypocrite. C'est son riz hypocrite qui a fait qu'il était assis droit et puis je regardais. Donc sachez que cette douleur d'injure autour de la madre, juste simplement que la madre a déposé un hippopopopopopo au carrefour. C'est une grosse taupe qui fait qu'il ne digère pas le refoulement. Mais ça va lui passer. Je voulais vous montrer aux yeux de tout le monde comment les gens. Julien Da, ma mère, tu es une femme digne, trop de jalousie sur toi. Mais ils sont jaloux pourquoi? Moi, je les empêche de faire leur live. Je les empêche de faire leur live. Je ne les empêche pas. On me dit, je parle de manière qu'état, je parle de temps. Est-ce que vous-même, vous ne parlez pas des autres? Ou bien moi, ma manière de parler des autres, ça vous fait mal? Ce n'est pas de ma faute. Jaloux de quoi? Mais moi, je ne suis pas jaloux d'eux. Il y a d'autres qui sont assis là, ils pensent que on est là, on passe notre temps à aller les chercher sur leur page. Ou bien signaler leur page. Ou bien pour qu'ils n'existent pas sur le méta. Le contraire. Destiny, mon côté, comment tu vas, ma fille?
ma fille du Congo, je te salue depuis ta position. On ne regarde pas. Nina Begré, comment on va? Sur leur page. On s'occupe même pas d'eux. On fait nos riz, on fait nos choses. On avance. Pardonnez, avancez. Desserrez vos cœurs. Desserrez vos cœurs. On n'est pas forcé d'être ensemble. Faites votre vie. Jaloux de qui, de quoi? Est-ce que j'ai mon mari, c'est votre mari? Mes enfants, c'est vos enfants? Vous faites partie de ma famille? Non. Jaloux de quoi? Zuckerberg, il a créé Facebook, c'est pour tout le monde. Chacun a sa popularité, chacun a sa notoriété, chacun a ses gens qui la suivent. Chacun a ses personnes. Vous parlez de la E-Calande, de la E-Calande. Si la E-Calande n'aime pas Maman Francine par sa comédie qu'elle joue, par sa manière de danser, par sa manière de faire son live, dans sa manière, sa prise de position, qu'est-ce qu'ils vont foutre sur mon live? C'est parce que malgré tout, il y a quelque chose envers la madre qu'ils aiment. Sa manière d'être, sa manière de leur faire rire, sa manière de se positionner. Gladys Kakou, je te claque le bisou. Ce qui fait que oui, il m'aime. Oui. Nous rentrons dans la nouvelle année. Desserrez vos culs. Sincèrement, desserrez vos culs. Parce que vous ne pouvez pas empêcher Maman Francine Ba de se mettre sur le méta pour faire des vidéos. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas m'empêcher. Vous ne pouvez pas. Si vous voyez, vous me regardez, vous voyez ma tronche. Quand je sors, et puis ça vous fait mal. Elle est sortie encore, celle-là. Merde, elle sort encore. Et voilà, la voici là-bas. Elle a porté quoi? Ses habits de 2 francs. Ce sont mes habits de 2 francs. Ce n'est pas vos habits. J'en vis pas vos habits. J'en vis pas vos manières de vous habiller. J'en vis pas votre être. Vous n'apportez rien dans ma vie. Vous ne m'apportez rien. Je vous multiplie par 0. Je vous multiplie par 0. Multipliez-moi aussi par 0. Soyez quand même un peu digne. Pour dire que celle-là, on la multiplie par 0. Elle nous dit rien. On va pour voir votre dignité. Vous ne supportez pas. C'est plus fort que vous. C'est plus fort que vous. C'est plus fort que vous. Je dis les autres personnes que je ne réponds pas. Je ne vous réponds pas parce que je me suis mise un tant soit peu à votre niveau. Il y a des gens sur ma liste Facebook. Je les ai bannis avec stylo rouge. Pour dire plus jamais, même dans mon rêve, de me retrouver plus bas que chez avec ces personnes-là. Il dit même dans mon rêve, même dans mon rêve le plus inattendu, de me retrouver face à face en clash avec ces personnes-là. C'est terminé ça. Ils vont monter, ils vont descendre, ils vont creuser, ils vont décreuser, ils vont faire tout. J'ai dit, ça dit, vous savez, il y a une manière. Il y a une manière de toiser quelqu'un. Il y a une manière de toiser quelqu'un. Une manière. Une manière de toiser quelqu'un, genre. Quand quelqu'un. Et puis tu le toises d'une manière comme ça, genre. Genre, tu le toises. Et il y a une manière de vous toiser là. Oh, yeah! Non! Yeah! Il est là, comme ça. Tu regardes ça d'une manière, un genre de regard façon. Ils disent quoi, même celui-là? Hein? T'es serré. En tout cas, je remercie toutes mes personnes, sans exception. Je remercie mes Amazones, franchement.
Moi, j'adore vos commentaires. Je vous dis sincèrement. Hein. J'ai quoi? Yanda Julien qui a dit quoi? Mon fils dit quoi? Mon fils dit quoi? Nda Julien dit, il a demandé messe pour eux ce dimanche. En tout cas, demande la messe pour eux ce dimanche. Demande la messe pour eux ce dimanche. Ça va leur passer. Parce que vous savez, mes Amazones et mes guerriers, j'ai mes personnes, s'il vous plaît, en mode concentration. Je rigole, mais je vais vous dire sincèrement. Nous sommes dans la dernière ligne droite. C'est vrai, votre madre, peut-être qu'elle va... Ça achève. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Je vous dis tout simplement. Nous devons être concentrés. Quel que soit ce qui va se passer, je vous dis et je répète, il y a des personnes sur le méta. C'est parce que souvent, on n'a pas envie de venir vous expliquer les choses. Il y a des attaques, sincèrement. Oui, il y a des attaques. Il y a des gens sur le méta, là, qui sont vraiment des sorciers. Il y a des attaques. Ce n'est pas du jeu. On ne parle pas beaucoup de ça. On est beaucoup attaqué. Spirituellement, on est beaucoup attaqué. On est beaucoup attaqué. Oui, 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 oui. Il y a des gens sur le métal là, qui sont là spécialement pour s'asseoir sur les êtres. Nous sommes attaqués. Ce n'est pas du jeu. Oui, oui, oui. Faites très attention. Donc, j'appelle toutes mes personnes. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Il y a des âmes, il y a des gens là. On leur a demandé des âmes des gens sur le méta. Oui, oui, oui. Leur travail là, c'est de pouvoir attraper les âmes des gens. Faites très attention et suivez mon regard. Suivez mon regard. Je ne réponds pas parce que j'ai peur de quiconque. Mais quand tu as déjà vu quelque chose, quand ton Dieu t'a déjà éclairci quelque chose, quand ton Dieu t'a déjà donné la vision de quelque chose, qu'on t'a dit, on demande l'âme des gens et les gens la cherchent l'âme des gens. Quand tu vas leur donner la possibilité de venir t'asseoir, leur donner la réponse là, c'est que tu as déposé ton âme dans leur main. Hé, hey, il dit... Dieu connaît barrage qu'elle loue. C'est Bella qui fait exprès. Soyez concentrés. Soyez concentrés. Laissez ça là. Laissez ce qui est en train de se passer là. Laissez ça. Et laissez ça. Ça va passer. On peut viser des personnes. On peut viser des personnes et puis ça va louper ces personnes-là, et puis ça va retourner parce que tu n'as pas répondu. Parce que tu n'as pas répondu, ça va retourner. Parce que c'est que les personnes cherchent là, que tu déposes ta caméra et puis tu donnes une petite réponse. C'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on leur a demandé dans leur confrérie de sorcellerie là. Dans leur confrérie de sorcellerie, parce que si on leur a demandé, on va dire mais... Telle personne vous a fait quoi? Telle personne vous a fait quoi? Hé, hey, vous allez vous fatiguer, mon âme. Ça va vous dépasser, vous allez déposer. Et puis vous allez prendre pour votre famille pour partir ça. Vous allez prendre pour votre famille là pour partir ça. Vous allez prendre pour votre famille là pour partir ça. Oui. Donc, que ça soit ML Révélation Divine, que ça soit Ivy Love, que ça soit mes personnes, tous ceux qui vont sortir, je me suis mise là. J'ai dit, je ne fais pas de live. Hein. J'ai vu vos lives, ça m'a déjà guéri. J'ai déjà vu vos lives, hein, ça m'a déjà guéri, mais je ne peux pas m'asseoir là pour vous regarder. J'ai dit, vous repliez chemin. Vous repliez chemin jusqu'à la fin de l'année. Oui, vous faites votre blog, vous faites vos bérets, vous faites ce que vous voulez, mais vous repliez chemin.
Laissez l'histoire de maman Francine Bala. Déposez ça au congélateur. C'est moi-même qui vous dis ça. Je me répète. MN Révélation. Ivy Love. Maya. Il a dit mes personnes. Mimi Love. Déposez ça au congélateur. Laissez les gens sauter dans panier à crabe. Laissez-les sauter. Ne rentrez plus dedans. Laissez eux-mêmes entre eux là. Chacun va soulever l'âme de quelqu'un pour partir. Vous la quittez dedans. Quittez dedans. On est en fin d'année. Je suis sortie aujourd'hui. Sinon, Maya, j'ai vu ta vidéo. ML, j'ai vu ta vidéo. Les Mimi Love, j'ai vu vos vidéos. Tout le monde, j'ai vu vos vidéos. Nda Julien, j'ai vu ta vidéo. Mettez tout ça au frigo. Merci, Maya. Déposez ça au congélateur à partir d'aujourd'hui. Je vous dis, quel que soit ce qui va sortir, ils n'ont qu'à sortir tout ce qu'ils veulent de la madre. Même si le cas vous fait mal jusqu'à dans votre être, il a dit tapez l'œil. Il a fait un travail de fond sur moi. Je vais faire un travail de fond sur moi. Je vais taper l'œil. Ça va être difficile. Oui, j'ai un caractère fort. Ça, c'est vrai. Je vous. Ça, c'est vrai. J'ai un caractère très dur. Oui, parce que si je n'ai pas ce caractère-là, je ne peux pas m'arrêter devant le métal. Parce que devant le métal, là, il y a les diables, les sorcereurs même. Les sorcereurs. Donc, si tu es une mouviette, ils vont trop jouer à ton âme. Donc, faut être mousso farima, mousso qui sait pour t'arrêter. Quitter dedans en fin d'année. Déposer ça au congélateur, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Les followers, Eli, laissez-les déposer, déposez-les. J'ai dit déposez-les. Ivy Love, déposez ça. Faisons les trucs. Il y a plein de guerres, il y a plein de sujets, il y a plein de trucs. Laissez ça. Buvez de l'eau glacée. Capricorne aujourd'hui, Capricorne demain. Capricorne aujourd'hui, Capricorne demain. Vous avez des enfants. Vous avez de la famille. On doit se concentrer pour rentrer dans la nouvelle année bientôt. Nous sommes dans quelques jours. Nous sommes le 31 décembre. On doit rentrer dans la nouvelle année. Et déposons ça là derrière. 2024, c'est potable. 2024, c'est potable. Je vous demande pardon. Il y a un débat, pardon, hein? 2024, c'est potable. Déposez. Oui, je suis sorti là. Et t'as pour vous dire de déposer ça. Laissez. Chacun va aller vendre son âme au diable. C'est-à-dire, entre eux-mêmes là, ils vont donner ce qu'ils veulent donner là. Mais ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous, hein. Laissons-les entre eux. Demi-tour. Père, ce n'est pas bon. Demi-tour, père, c'est vilain. Laissons-les entre eux. Déposer ça au frigo. Laissons l'année passer. Déposer ça au frigo. Oui. Ils vont se donner entre eux. Ce n'est pas nous. J'espère que vous avez bien capté. Oui. Donc, je vous fais un gros, gros bisou. C'était la madre Francine Ba. Je vous remercie, franchement. Merci beaucoup pour tout l'amour. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos enfants. Et puis, avançons. Oui. D'accord? Voilà. Donc, on est ensemble et puis la vie continue. Je vous embrasse très, 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 très fort. Et puis, que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Et puis, on est ensemble. C'est la fin de l'année.
C'est la fin de l'année. Il sait pas, nous ne serons pas la viande de fin d'année. Nous ne serons pas la viande de fin d'année. On va les laisser entre eux là-bas se manger tranquillement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Que le sang de Jésus soit sur vous, sur vos familles, sur tout le monde autour de vous. Et que brisons les liens qui se passent là. Parce que dans quelques jours, c'est la fin de l'année. C'était la Madre Francine Ba. Au Ciré, on est ensemble. Ciao.